Alors bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais vous emporter aux origines de la Cité des Images, évidemment en réminiscence de la grande exposition française La Cité des Images, organisée en 1984, qui a changé toute notre vision de l'imagerie grecque. Lorsqu'une société commence à s'entourer d'images, elle accomplit un pas décisif dans son évolution culturelle. Elle élargit le champ de la société existante, constituée d'hommes vivants, et elle enrichit d'images, d'êtres et événements dont il s'agit d'assurer la présence au sein de la communauté. Un tel geste est rendu nécessaire pour les êtres et les événements qui ne sont pas présents concrètement parce qu'ils existent dans un temps ou un espace éloigné, Dieu, personnage mythique, ancêtre défunt, personne vivant en d'autres lieux. Ces êtres et événements qu'on est allé chercher pour les inclure dans les espaces où se joue la vie de la société forment alors avec les hommes vivants, un univers social conceptuel. Dans le même mouvement, la communauté des vivants se pense comme faisant partie d'un ordre du monde qui la dépasse. Les Grecs passèrent ce cap culturel au 8e siècle avant Jésus-Christ. Dans les grands sanctuaires, au rayonnement suprarégional à Olympie, à Delphes et à Délos, mais aussi dans les sanctuaires centraux des cités comme l'Acropole d'Athènes, on se mit à apporter aux dieux, en guise d'offrande votive, des statuettes de bronze ou de terre cuite, dans le cas de dons plus ambitieux, de grands trépieds ornés de figures d'hommes et d'animaux. À la même époque, au milieu du 8e siècle, quelques ateliers de potiers athéniens se mirent à produire des vases de céramique de grand format et à les peindre non seulement de riches ornementations, mais aussi de scènes figuratives. Ce moment marqua la naissance d'un art de l'image dans lequel les strates supérieures des cités dominantes projetaient des valeurs culturelles centrales pour elle. Quelques générations plus tard, vers le milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ, on commença à produire en Grèce des statues de grand format. Ces œuvres étaient conçues comme des offrandes votives destinées aux dieux dans les sanctuaires ou comme des images des défunts que l'on plaçait sur les tombeaux de ces derniers. Cette évolution dans le format, l'échelle de l'image, constitue une véritable rupture historique. Le changement décisif tient à ce que l'image se trouve désormais en quelque sorte placée sur un pied d'égalité avec celui qui la regarde, en vis-à-vis comme un interlocuteur. Une sculpture plus ou moins à taille humaine n'est pas aisément déplaçable. On ne peut pas non plus s'en débarrasser. L'image est là, elle occupe l'espace, s'adresse à ceux qui potentiellement la regardent, réclament leur attention. Bientôt, des épigrammes vinrent accompagner les œuvres, interpellant le public au nom de la personne représentée. Regardez-moi comme je suis beau. En d'autres termes, les images de grand format représentaient une nouvelle forme de présence et de visibilité. En Grèce, cette naissance, en deux phases, d'un monde d'images figuratives s'accompagna de l'apparition d'un nouvel ordre conceptuel des communautés politiques et d'une nouvelle conception de l'ordre du monde. Le 8e siècle, avant Jésus-Christ, constitua
à cet égard une phase décisive au cours de laquelle se mirent en place, dans le cadre d'un long processus, les structures fondamentales de la police grecque. C'est un phénomène qui se manifeste tout particulièrement dans l'organisation des espaces communs. Comme nous avons vu dans la première conférence, la naissance de la police grecque est indissociable de la définition de trois espaces publics, sanctuaire commun, agora et nécropole. Cette émergence de la police se manifestait en correspondance avec le développement de l'art figuratif en deux phases principales. Une phase des origines à partir du 8e siècle et une phase de consolidation entre la deuxième moitié du 7e et la première moitié du 6e siècle avant Jésus-Christ. Tous les espaces publics avaient pour fonction de permettre le contact entre les hommes vivants et les autres membres de la communauté conceptuelle de la polis. Le culte des dieux avait pour cadre les sanctuaires. Les rituels destinés aux ancêtres défunts se déroulaient dans les secteurs où se trouvaient installés les tombeaux. Et sur l'agora, on retrouvait ses concitoyens vivants pour les assemblées du peuple, les audiences des tribunaux, les négociations commerciales et les diverses affaires personnelles. Les images s'inscrivaient également dans ces trois espaces publics, obéissant aux règles d'une culture de l'image profondément normative. Les images et les yeux et les lieux qui les abritaient servaient dans ces espaces à l'échange et à l'interaction avec les dieux, les ancêtres et les concitoyens vivants. Cela veut dire entre la communauté conceptionnelle de la polis. La communication avec les dieux et les morts, en tant qu'elle débordait le cadre d'objectifs purement pratiques, s'effectuait sous la forme d'offrandes manifestant gratitude et respect. La caractéristique centrale de l'offrande qui la distingue d'une opération commerciale est qu'elle n'a pas pour fonction décisive de conclure un échange de valeurs équivalentes, mais bien de fonder une relation de faveur réciproque qui soit la plus durable possible. C'est cet objectif que sert la transmission d'une possession dans laquelle se combinent valeurs matérielles et valeurs symboliques. La forme du don est elle-même marquée par les deux parties. L'offrande doit convenir à son destinataire et permettre de se gagner ses faveurs. En ce sens, elle se doit référer à la divinité. Mais l'offrande doit aussi être adaptée au dédicant et dire quelque chose de lui. On offre un peu de soi-même. Et pour cette raison, l'offrande sert aussi à la représentation individuelle et sociale du donateur. À travers ce double rapport, les dons créent une relation de confiance et de fiabilité réciproque. Les images de l'époque archaïque s'inscrivaient dans ce cadre. Les objets portant les images, comme les images autonomes elles-mêmes, sont des agalmata, au singulier agalma, des objets de valeur travaillés et agréables à voir, et donc des cadeaux appréciés. Venons alors au sanctuaire. Dans les sanctuaires, les monuments et images jouaient le rôle de médium dans les interactions sociales visuelles. Au premier temps de la polis, les premiers temples furent les premiers grands projets architecturaux et des communautés, des citoyens, facteurs d'un nouveau sentiment de cohésion du corps civique. Les statues cultuelles des dieux auxquels les temples servaient de demeure furent les premières images de grand format
mise en place par les Grecs. On a retrouvé à Adreros, en Crète, un trio de statues représentant Apollon, Leto et Artemis, dont la feuille de bronze extérieure, aux formes clairement articulées, s'est particulièrement bien conservée. L'apparition de ces images cultuelles marque une avancée culturelle majeure. Les dieux furent les premiers êtres auxquels les Grecs offrirent, dans l'image, une existence corporelle en dimension majeure, partageant ainsi avec eux le monde, interagissant avec eux dans des formes rituelles, reconnaissant leur pouvoir. Avec l'apparition d'images des dieux, la polis devenait une communauté conceptuelle dont le cadre débordait l'univers des seuls hommes vivants. Les relations avec les dieux s'accomplissaient sur le mode de l'échange de dons, par le biais d'un côté de sacrifices éphémères, de l'autre d'offrandes votives, ce qui là encore constitue une avancée culturelle majeure. Car jusqu'alors, les familles puissantes se distinguaient essentiellement en plaçant dans les tombeaux de leurs morts un grand nombre d'offrandes funéraires, surtout des vases pairs. En investissant davantage les sanctuaires, elles s'engageaient plus qu'avant dans une présence publique. Dans le même temps, les offrandes votives prenaient la forme d'images apportant des indications sur leurs donateurs. Dans le sanctuaire d'Olympie, qui, dès le 8e siècle, attirait des visiteurs venant de toute la région, ont été déposées des milliers de statuettes de bronze et de terre cuite qui livrent une image typique d'une société de propriétaires terriens. On a, d'un part, des hommes nus représentés en position de prière, ce qui souligne dans l'image leur vénération envers la divinité, de l'autre, du bétail et surtout des chevaux, des taureaux et des béliers, qui nous renseignent sur le rang social du dédicant et sont des possessions transmises ainsi à la divinité. Les dieux sont traités comme des membres de la communauté, comme des propriétaires terriens de haut rang dont on augmentait les richesses et auxquels on témoignait son respect en leur transmettant un animal. Les trépieds de bronze qui, à compter du 8e siècle avant Jésus-Christ, constituèrent les dons les plus précieux que l'on put faire aux divinités des sanctuaires d'Olympie, Delphes, Dodone et Athènes, étaient dans tout autre format. Les citoyens des catégories dirigeantes des premières cités s'offraient mutuellement des trépieds en guise de cadeaux. Ces trépieds fondaient ainsi à la fois le rang social du destinataire et celui du donateur. Ulysse n'est institué dans toute la plénitude de son autorité politique au palais de Alkinoos que quand chacun des éminents personnages présents lui offre un trépied et un vase. Ces biens prestigieux lui donnent l'assurance qu'il parviendra à reprendre sa place sur le trône d'Ithaque. De la même façon, dans toutes les grandes compétitions athlétiques et artistiques, comme vous le savez, les prix à remporter étaient des trépieds qui marquaient la gloire et le prestige du vainqueur. Celui qui possédait un tel capital symbolique et le portait en offrande à la divinité affirmait par cette action en direction du dieu sa haute position sociale. Lors de ces échanges de présents, les trépieds n'étaient pas de simples objets matériels. Il émanait également d'eux une puissance active. Héphaïstos, l'artisan divin, fabrique des trépieds à roues qui se déplacent tout seuls dans l'assemblée des dieux,
intensifiant encore l'éclat social de l'Olympe. On a retrouvé de tels trépieds à roues dans une grotte sanctuaire d'Ithaque, un petit lieu de culte consacré au Eros Ptoios et situé juste en face du célèbre sanctuaire d'Apollon Ptoios, près d'Akraifia, nous livre des éléments particulièrement instructifs sur la façon dont il était disposé. Les trébiers n'y étaient pas installés sur le pourtour du temple, mais alignés le long d'une avenue menant au sanctuaire. En tant qu'offrande votive, il y indiquait le respect que l'offrande portait au Dieu et réclamait également pour lui-même. Mais il s'adressait essentiellement aussi à ceux qui se rendaient au temple. Les trébiers proposaient aux vivants qui participaient au rituel un modèle d'offrande généreuse qui devait leur servir de point de repère. Sur certaines pièces spécialement raffinées, les chaudrons étaient ornés de représentations des phèbes nus tenant les anses. Sur d'autres, les anses étaient couronnées de chevaux ou de guerriers portant une lance et guidant un cheval. Possession de chevaux, renom du guerrier et beauté du corps juvénil, ces motifs offrent au regard un microcosme d'images fondatrices de la société. Les trépieds font face aux hommes et s'adressent à eux. Ils ont une fonction incitative active. Les lieux de culte connurent une profonde transformation lorsque, à compter du milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ, des donateurs ambitieux commencèrent à ériger dans les sanctuaires des statues de marbre excédant souvent la taille humaine. L'habitus religieux du don, comme l'aspect extérieur des espaces sacrés, s'en trouvèrent renouvelés. Car ces œuvres se distinguaient radicalement de la masse des offrandes votives de petit format. Le prestige des donateurs s'en trouvait ainsi augmenté, même lorsqu'aucune inscription ne venait garantir la permanence du souvenir. C'est dans les sanctuaires de Delphes, de Délos et de Samos, et sur l'acropole d'Athènes, que ce phénomène apparaît le plus clairement. Tous ces sanctuaires connurent une profonde transformation au début du VIe siècle, où une nouvelle organisation du culte leur conféra le statut de centre religieux des grandes communautés politiques. Delphes et Délos débordèrent le cadre strict de la région pour devenir les sanctuaires de nombreuses villes et ethnies de la zone. Les rayons de Samos et l'acropole d'Athènes devinrent les sanctuaires centraux des cités-états au vaste territoire. En chacun de ces endroits se constituèrent des communautés conceptuelles d'images. Commençons avec Délos. Très tôt, le sanctuaire d'Apollon à Délos fut un centre religieux majeur pour les îles des Cyclades avoisinantes, sans qu'il existât pourtant de grands temples dévolus aux dieux. Il fallut attendre la fin du 7e siècle, période où l'île de Naxos se mit à occuper une position dominante dans l'espace égéen, pour que fût décidée par les Naxiens la construction d'un sanctuaire de grand style, doté d'un vaste édifice, oikos, destiné à la tenue des banquets rituels, d'un grand propylée vers le sud et d'un grand portique attenant. Cette disposition était vraisemblablement liée à une nouvelle organisation des rituels. Dans les lieux centraux du sanctuaire, on rencontrait des statues des dieux. Aux alentours de 600 avant Jésus-Christ, le site prit un aspect radicalement nouveau
lorsque les Naxiens érigèrent une colossale statue d'Apollon de près de 10 mètres de hauteur. La sculpture était réalisée en marbre blanc, auquel venaient s'ajouter des éléments rapportés en bronze, longues boucles, riches ceintures, arcs et flèches dans la main tendue. Et le dieu dominait donc largement les quelques petites constructions voisines qui atteignaient à peine plus de 3 à 4 mètres. Depuis cette position de surplomb, tournée vers le port, il accueillait les visiteurs du sanctuaire arrivant par bateau. Donc, vous savez, vous voyez la statue et l'oïkos et les relations. Avec cette statue, les Naxiens offraient à Apollon une présence rituelle, mais aussi et surtout une forte présence visuelle au sein de son sanctuaire. Ce passage, à l'échelle monumentale, a des implications nombreuses. L'Apollon des Naxiens n'a pas été érigé par un donateur privé, mais par une communauté de citoyens qui marquait ainsi, avec un emplomb extraordinaire, son entrée dans un sanctuaire extérieur à son territoire. Une telle démarche témoigne de l'apparition d'une nouvelle forme de conscience politique de la communauté qu'est la polis. Un demi-siècle auparavant, la célèbre statue féminine en marbre offerte par Nicandre représente sans doute non la donatrice, mais bien la déesse Artemis, érigée dans le secteur de laquelle la statue fut d'ailleurs découverte. Dans l'inscription, Nicandre s'affirme comme donatrice avec une assurance qui implique qu'il s'agit d'une offrande personnelle. Elle cite les noms de son père, de son frère et de son mari, représentants de deux grandes familles de Naxos, et se qualifie elle-même d'éminente entre toutes les femmes. À travers cette image à taille humaine, la déesse Artemis fait face aux visiteurs du sanctuaire comme leur fera face Apollon à travers sa statue colossale un demi-siècle plus tard. Aux images représentant les dieux venaient s'ajouter les images représentant les hommes. Une élite de donateurs nobles déposa dans le sanctuaire des statues de jeunes gens, les célèbres coureurs, qui finirent par constituer un groupe très fourni. Quelque temps après, apparut également à Délos le type de jeunes filles, les corailles. Couroï et corail figurent manifestement des représentants anonymes de la jeunesse aristocratique telle qu'elle se réunissait à l'occasion des cérémonies célébrées dans le sanctuaire. Les jeunes gens et les jeunes filles nobles faisaient la fierté et l'espoir des cités. Leur présence dans le sanctuaire et leur participation à la procession et à la danse couronnaient les grandes festivités. C'est ainsi que l'hymne à Apollon décrit comment le dieu, dans son sanctuaire de Délos, se réjouit avant tout de voir les Ioniens se rassembler avec leurs longs vêtements accompagnés de leurs fils et filles et de leur honorable épouse, immortelle et sans âge, dans leur beauté. De même que les pères amenaient leurs fils et leurs filles à la cérémonie réelle pour qu'ils fassent une apparition publique, de même à Délos, les riches dédicants offraient aux dieux des statues représentant jeunes gens et jeunes filles nubiles. On peut supposer que les couroïs étaient concentrés devant l'oïkos des Naxiens, où se réunissaient les hommes, tandis que les corailles auraient été réunis devant le temple d'Artemis, où se retrouvaient les jeunes filles et les femmes. Au cours du temps, les statues s'accumulèrent, formant des groupes d'une jeunesse aussi éclatante
qu'était la jeunesse des vivants qui prenait part aux cérémonies. Ces images étaient des objets précieux, des agalmata, dont la valeur honorait le dieu, comme les jeunes gens et jeunes filles l'honoraient de leur présence. Ici, images et rituels coïncident. Aux côtés des dieux et des hommes, il existait un troisième domaine, celui des animaux sauvages. Au nord du sanctuaire s'étendait une zone de transition avec la nature. C'est là que l'on trouvait le lac sacré et, sur sa rive, le palmier sous lequel l'étau avait donné naissance à Apollon. En pleine nature sauvage, à l'extérieur de l'espace sacré du grand sanctuaire qui, selon la tradition mythique, avait été fondé plus tard par Apollon lui-même. Dans la mesure où l'accouchement était un processus sacré impur, ce lieu restait extérieur au domaine sacré. C'est là qu'avait été installé, probablement au cours de la première moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ, sur une terrasse, six énormes lions, sans doute également une initiative de la cité de Naxos. Tournés vers le lac sacré, les fauves protégeaient également l'un des accès au sanctuaire. Dans les représentations en vigueur à cette époque, les lions étaient les êtres les plus dangereux de cette nature sauvage, au cœur de laquelle avaient été fondées les premières villes et les premiers sanctuaires, espaces protégés de l'ordre humain. Comme nous allons voir, cette nature sauvage, qui constituait un pôle antagoniste, un contre-monde face à l'ordre des villes, était l'un des thèmes dominants de l'univers iconique des débuts de l'époque archaïque. La culture urbaine reposait sur la victoire remportée par les dieux et les héros mythiques sur les monstres de la nature sauvage. Et dans les mythes des origines des cités, c'est souvent un héros local qui tue un lion ou un sanglier menaçant, menaçant la population de la région avant de fonder une cité par l'érection d'un mur d'enceinte, créant ainsi un espace protégé, garant de l'ordre culturel des hommes. Or, cette victoire des dieux et des hommes sur les forces de la nature sauvage n'avait pas simplement mis fin à la menace, elle avait transformé ces êtres vaincus en protecteurs des hommes et les avait introduits dans l'ordre humain. On plaçait des images représentant des lions au fronton des temples et sur les tombeaux, de façon qu'il en assure la garde. À Délos, ces fauves à l'attitude menaçante étaient placés sur une frontière constitutive entre nature et culture, à l'endroit où, par la naissance du dieu, et à ce moment même, on avait franchi le pas et fondé l'ordre sacré de la vie humaine, en ce lieu qui, depuis lors, marquait le passage du monde sauvage à l'ordre religieux du sanctuaire. Ainsi, profondément, le sanctuaire archaïque de Délos se définissait à travers ses œuvres, à travers ses images, comme un monde, un cosmos, où se rencontraient Dieu, homme idéal typique et animaux de la nature sauvage. Une présence massive de statues en pied est particulièrement manifeste dans le sanctuaire d'Héra à Samos, lieu de culte majeur d'une polis, après les grands sanctuaires suprarégionaux de Délos et autres. Il s'agit au départ essentiellement de statues colossales du type Kouros, comme celle qu'offrit un notable nommé Ischès et dont la taille atteint 4 mètres et 75.
Dans le même temps, commence à se constituer une vaste collection de statues de corail représentant les jeunes filles nubiles. Pour les filles des grandes familles des cités, les fêtes célébrées dans le sanctuaire étaient la principale occasion d'apparaître en public et de susciter l'attention de soupirants potentiels. Les statues de corail attestent également l'importance croissante que revêtent les alliances matrimoniales au sein de ces catégories supérieures. Les rayons occupaient une place particulière dans l'initiation des jeunes gens et jeunes filles. L'une des principales fêtes dédiées à la déesse célébrait le mariage et la fertilité. Quant aux jeunes gens, la présence de boucliers miniatures au sein des offrandes votives souligne leur importance en ce lieu. Ce sont manifestement ces groupes, composés de jeunes gens et de jeunes filles en âge de se marier, que les statues en pied de couroy et de corail représentaient au sein du sanctuaire. L'Héraïon nous fournit également des éléments spécialement instructifs en ce qu'il permet de se représenter à quel emplacement étaient situées ces offrandes. Les vestiges laissaient penser que les œuvres votives étaient concentrées en deux lieux particuliers, le long de la voie sacrée et la route nord-sud, et sur le pourtour de l'emplacement des fêtes célébrées en honneur de la déesse. En un mot, en des lieux jouissant de la plus grande visibilité, epiphanesta toi topoi, et permettant aux œuvres de produire un effet optimal, puisqu'il s'agit des lieux qui voyaient défiler les processions et de ceux où étaient accomplis les sacrifices. Cela veut dire que les statues étaient aussi placées autour de l'autel. Les visiteurs pouvaient ainsi observer les statues au moment des rituels. Par ailleurs, les images y déployaient leur activité propre. Elles aussi regardaient les acteurs vivants. Couroy et corail et tous les autres personnages constituaient un public idéal entourant ces espaces et marquant leur présence dans les rituels des vivants. Les rituels des vivants se déroulaient sous les yeux des images et conformément aux normes de la communauté conceptuelle qui constituait la polis. Dans la décoration des temples, on retrouve l'idée d'un ordre du monde régi par les dieux et où la communauté humaine se démarque du monde sauvage environnant. La cité de Prinias, en Crète, édifia au milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ, en plein cœur de la ville, un bâtiment sacré réunissant trois fonctions, temple dédié à la déesse tutélaire de la ville, foyer de la cité et lieu de réunion pour les banquets de l'élite. La déesse, peut-être Artemis, doit avoir été vénérée à l'intérieur du bâtiment sous la forme d'une petite statue cultuelle. À l'extérieur, en revanche, des reliefs situés sur la façade représentaient la domination exercée par la déesse sur le monde de la cité et sur celui de la nature sauvage, en une opposition complexe entre dedans et dehors. Une frise orthostate, que vous voyez seulement dans la restitution, fait défiler les animaux sauvages, lions menaçants, douze biches et sphinx monstrueux, auxquels viennent s'ajouter sur les côtés latéraux de l'édifice, de jeunes cavaliers armés montés sur des chevaux aux longues jambes qui représentent l'élite masculine de la ville chargée de protéger la communauté des menaces de l'extérieur, animaux sauvages lors de la chasse et ennemis lors du combat.
Les portes d'entrée menant à l'espace intérieur de l'oikos, de la déesse, sont en revanche ornées de personnages féminins. Il s'agit manifestement de représentantes de deux âges de la jeunesse féminine. Sur les murs encadrant les portes, des jeunes filles nues représentent le stade de l'initiation. Sous le linteau, en revanche, on trouve des reliefs représentant des femmes richement vêtues, un polos sur la tête. Ce sont certainement les fiancées, futures mères, incarnant l'espoir des familles et de la polis. Tout en haut, enfin, au-dessus de cet alignement hiérarchisé de bêtes et d'hommes, appuyé sur le linteau, trône la maîtresse divine du temple, dédoublée selon une symétrie parfaite. Les rituels du culte, dont nous n'avons pas de connaissances précises, se déroulaient, selon toute vraisemblance, dans l'espace situé juste devant le temple et accordaient certainement un rôle central aux jeunes gens, aux jeunes filles et aux femmes, lesquelles pouvaient se reconnaître dans le décor de l'édifice lors de l'accomplissement du culte. Leur place conceptuelle dans le monde de la déesse se voyait ainsi définie. La décoration des reliefs conférait au temple une signification décorative particulière. Il devenait cosmos à deux titres, ornement pour la déesse et ordre du monde conceptuel en image. Or, comment est-ce que ce monde s'exprime sur les vases peintes et dans les discours en image de ces vases? Les peintures figurant sur les vases grecs constituent un véritable univers d'images, un inépuisable réservoir de thèmes qui imprégnait les discours dans les moments les plus importants de la société archaïque et en particulier lors des festivités liées aux banquets et lors des rituels d'enterrement. Le banquet, comme l'enterrement, constituait des événements au cours desquels se jouait bien davantage que le simple fait de boire du vin ensemble ou de faire passer les morts de la vie au tombeau. Le banquet était une institution sociale majeure et l'on pouvait s'y entretenir, que ce soit sur le mode plaisant ou sur le mode sérieux, de toutes les grandes questions ayant trait au comportement social et au destin humain. Quant aux enterrements, il était l'occasion pour la communauté familiale et pour les proches de se réinstituer après la disparition d'un des membres du groupe et de se confirmer dans ses valeurs sociales. Ces deux moments fondamentaux donnaient lieu à des discours complexes sur des thèmes centraux de l'existence humaine. Les images figurant sur les vases rendent compte du large éventail de ces discours. Un des discours les plus importants se développait autour de la grande antithèse de la culture humaine versus la nature sauvage. Sur un grand nombre de vases, les représentations de la communauté humaine et de son organisation sont encadrées de frises d'animaux domestiques et sauvages. Sur les vases funéraires du 8e siècle, le décor représente les rituels de l'enterrement qui place le défunt au centre de sa famille et de la polis, et en particulier la prothésis, l'exposition du corps à l'intérieur de la maison. Dans des frises séparées, des rangées de guerriers montés sur des chars représentent les autres notables de même rang, se rendant en procession jusqu'au tombeau. Il s'agit d'un rituel
dans lequel la communauté de l'élite se formait en une auto-représentation de grands effets visuels. Or, ces scènes emblématiques de l'ordre social sont souvent encadrées par des frises d'animaux, chevaux, paissons, biches au repos, lions et même centaures fantastiques. Plus tard, au 7e siècle, les frises d'animaux deviennent le thème le plus fréquent sur les vases de Corinthe, d'Athènes et de la Grèce orientale. Ce monde de la nature, qu'elle soit pacifique ou déchaînée, était manifestement, à cette époque, un thème de préoccupation majeure. Lorsque l'on s'interroge sur les expériences ayant donné naissance à de telles représentations, on songe aussitôt au monde situé à la lisière des espaces régis par les hommes, à l'extérieur des villes, au-delà des espaces cultivés, dans les zones liminaires sauvages qu'étaient montagnes et forêts, royaumes des pâtres et des brigands et des animaux sauvages qui, de temps à autre, faisaient irruption dans les espaces civilisés, attaquaient les troupeaux et dévastaient les champs. On était exposé aux ours et aux sangliers, mais on avait aussi entendu parler de lions, des lointaines contrées sauvages, et l'on se figurait même qu'y vivaient de monstrueux centaures et sphinx, le tout formant une sorte de contre-monde, une antithèse conceptuelle de la culture de la polis. Les premières villes grecques se percevaient comme des espaces protégés, régis par l'ordre social, à l'intérieur d'un environnement fait de dangers venus du monde sauvage. C'est ainsi que l'on peut comprendre la présence sur les vases de l'époque archaïque de frises représentant la nature et venant encadrer les scènes de la communauté urbaine. Un autre thème sont les temps de la vie. Et là, le héros principal est Achille. Dans les banquets, comme lors des funérailles, la répartition de la société en différentes catégories d'âge et en différentes générations revêtait une importance primordiale. Lors des banquets et dans les relations homoérotiques qui s'y nouaient, l'homme adulte, la nère, l'homme jeune, le néos, l'éphèbe, le éphébos, et le jeune garçon, Païs, assumaient des rôles distincts. Sur les images illustrant les vases utilisés en ces occasions, les discours ne cessent de tourner autour des questions liées aux âges de la vie. On y trouve des représentations inspirées du monde de la vie, mais aussi et surtout des temps anciens mythiques. Achille est le héros par excellence dont le destin est marqué par la question des âges de la vie. Le choix lui avait été donné, mener jusqu'à un grand âge une vie sans intensité et sans éclat, ou voir une vie glorieuse interrompue par une mort précoce. Dans ces sociétés compétitives de la Grèce archaïque, cette alternative avait une résonance très actuelle. On le sait, Achille choisit la voie de la gloire, mais nous verrons que ce choix est loin d'être un modèle biographique évident. Achille représente les différents stades de la jeunesse, depuis l'enfance jusqu'à la vie de jeune guerrier, une vie d'une intensité excessive avec une dépense d'énergie extrême. Devenu adulte et jeune guerrier, Achille s'engage dans la guerre de Troie et, dès sa première action, se voit confronté à la catégorie d'âge des plus jeunes, éphèbes et jeunes filles nubiles,
Troïlos, le fils du roi de Troie, et sa sœur Polyxène. Mais écoutez comment on pourrait s'imaginer un discours à l'occasion d'un symposium sur des vases représentant cet épisode. Un dialogue fictif entre un adulte, Nikon, et un beau garçon, Calliclès. Écoutez Bertrand Bruder. Mon Dieu, Calliclès, que tu es beau, aussi beau que Troïlos sur cet amphore. Quand je t'imagine aux portes de la ville montant un aussi noble cheval, j'aimerais t'accompagner toujours. J'espère seulement que tu auras plus de chance avec ta beauté que le pauvre prince. Troïlos, n'était-ce pas le fils du roi de Troie qui dut mourir si tôt ? Tu as tout à fait raison. Troïlos était encore un enfant et venait d'apprendre à monter à cheval. Plein de fierté, il conduisait ses chevaux aux portes de la ville pour les abreuver à la fontaine. Et sa jeune sœur Polyxène l'accompagnait pour prendre de l'eau dans un récipient. Là, Achille les guettait. Et que se passa-t-il ensuite ? Je préférerais ne pas te le raconter tant c'est terrible. Mais puisque tu questionnes, regarde sur ma coupe. Tous deux prirent la fuite. Achille poursuivit Troïlos dans une course folle jusqu'au sanctuaire d'Apollon et l'y assassina sur l'autel. Un crime terrible. Mais il en fut puni par la mort avant même la fin de la guerre. Le mieux est que tu ne penses pas trop à cela. Je ne comprends simplement pas. À vrai dire, je trouve tout ceci très bas et pas du tout glorieux. Le garçon n'était pas encore un guerrier adulte. Comment aurait-il pu être dangereux pour les Grecs ? Il n'était pas non plus un adversaire à la mesure du grand Achille, qui poursuit encore aussi la petite fille. Quel acte héroïque est-ce donc ? Pourquoi devait-il le tuer si brutalement ? Eh bien, il y avait un oracle, selon lequel les Grecs ne pourraient pas conquérir Troie si Troïlos atteignait l'âge de 20 ans. Tu comprends, à 20 ans, on est un guerrier adulte, aujourd'hui encore, c'est ainsi. Dans quelques années, tu parviendras à cet âge, et alors, avec tes camarades, tu défendras notre ville contre tous les ennemis. Troïlos serait devenu un héros si fort que personne n'aurait pu le vaincre. C'est pourquoi Achille l'a tué quand il était encore un enfant. Il était tout de même innocent. Mais explique-moi surtout, qu'est-ce que cela a à voir avec la beauté de Troïlos ? Et pourquoi as-tu dit espérer que j'aurais plus de chance que lui ? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? Ah, Calliclès, c'est très compliqué. Naturellement, Achille a bien vu combien Troïlos était beau. Et il n'était certainement pas insensible non plus au charme de Polyxène. On dit qu'elle a été la plus belle des filles de Priam. Après tout, Achille avait juste l'âge auquel les jeunes gens rêvent de beaux garçons et commencent aussi à s'intéresser au charme des filles. Tu sais bien toi-même comment te regardent les hommes. Je ne peux pas le croire. Achille a bien fini par tuer Troïlos, il ne peut donc pas l'avoir aimé. Je comprends très bien que cela te trouble, mais l'amour est troublant. Regarde l'image. On y voit un lièvre s'enfuir sous le cheval de Troïlos. Or, tu sais bien que les hommes offrent des lièvres aux jeunes garçons qu'ils aiment. Rappelle-toi que je t'en ai offert un récemment. Doutes-tu toujours qu'Achille aimait Troïlos ? Mais ensuite, il l'a tué. Tu comprendras cela plus tard, quand tu seras toi-même saisi par l'amour fou. L'amour a beaucoup à voir avec la violence et inversement. Tu es hors de toi, en extase. Qui désire un garçon ou une jeune femme veut les posséder tout entier.
et qui tue un ennemi et le regarde dans les yeux, efface toute limite entre soi et l'autre. C'est ce qui arriva à Achille quand il tua Penthésilée. À ce moment, il reconnut en elle la femme désirable. C'est ce qui lui arriva avec Troïlos. Mais cela ne signifie pas que cela peut m'arriver. Pourquoi, disais-tu, espérer que je ne connaîtrais pas un tel malheur? Il n'y a plus d'homme aussi violent qu'Achille. Oui, là, tu as bien raison, il n'y a plus d'Achille aujourd'hui. Les histoires des temps anciens sont dangereuses. Elles sont vraies et parfois plus vraies que ne l'est la réalité aujourd'hui. C'est pourquoi je n'aurais peut-être pas dû te raconter tout cela. Mais il faut tout de même que tu le saches. Tu es beau, tu es admiré, tu pars à cheval dans la nature. Et ta jolie petite sœur va chercher de l'eau à la fontaine, aux portes de la ville. Là-bas, dehors, c'est l'espace d'Héros. Et Héros est dangereux. Beaucoup vous convoitent et beaucoup y perdent la raison et leur bonne manière. Pense à cela et donne-moi un baiser. Un grand merci à Bertrand Bruder pour cette impressionnante vivification de la belle coupe archaïque du musée du Louvre. Achille et bien d'autres héros encore incarnent des conceptions et des expériences centrales pour les strates supérieures de la société des cités grecques de l'époque archaïque. Ce ne sont pas des idiots qu'il aurait fallu imiter, pas des paramètres éthiques, mais de grands personnages des temps mythiques permettant aux vivants de donner de l'ampleur et de trouver des formulations à leurs propres questionnements. C'est cette fonction que remplissent les héros lorsqu'ils apparaissent sur les vases destinés aux banquets et aux rituels funéraires. Or, il faut évidemment nous garder d'attribuer à ces peintures des vases une valeur trop élevée sur le plan intellectuel. Il nous faut les penser dans le cadre qui était le leur. Les banquets de l'élite étaient une institution sociale permettant d'exprimer la joie de vivre. Et l'on peut supposer que les conversations qu'on y menait atteignaient rarement le niveau d'exigence qu'elles ont dans le banquet de Platon. Cependant, nombre d'images témoignent d'un degré d'élaboration étonnant dans la conception et la réflexion. L'exemple plus éminent de ce niveau d'exigence que pouvait attendre la peinture sur vase est celui du cratère de Clitias et Ergotimos, dont le riche décor est d'une composition très complexe. Une étude poussée de cette composition de mythes, tournant autour des figures d'Achille et de Thésée, nous emmènerait trop loin, mais il suffit de se concentrer un instant sur la scène centrale de la frise médiane. On y voit les noces de Thétis et Pélée, les parents d'Achille. Ces noces représentaient la fondation de la plus célèbre famille de l'univers mythique grec, un oikos archétypique. Et comme l'oikos est le fondement de l'ordre grec de la vie, tous les dieux y sont conviés et y prennent part. Ils représentent l'ordre du cosmos, cet ordre qui est au fondement de toute nouvelle famille. Le couple y incarne les rôles archétypiques. La fiancée, Thétis, voilée, est assise dans la maison. Le fiancé sort sur le seuil pour accueillir les convives. Les sphères attribuées à la femme et à l'homme
sont également partagées entre dedans et dehors. Devant la maison, un autel surmonté d'un cantharos, vase traditionnellement associé à Dionysos. Le nouvel oikos est ainsi institué comme centre d'une communauté de boissons. En tête du cortège défilent les personnages mythologiques, et des divinités qui marquent l'ordre de la vie dans la polis. En tête, le centaure Chiron, précepteur de Pélée et à l'avenir d'Achille, dans la montagne sauvage du Pélion. À sa côté, Iris, la messagère des dieux, vêtue d'une peau de bête, qui vient souligner la place du monde du dehors. Plus loin dans le cortège, la sphère du banquet des hommes adultes est représentée par Dionysos, qui amène en guise de présent une grande amphore pleine de vin destinée au cantare placé sur l'autel. Chiron et Dionysos sont ici les archégètes des deux institutions sociales majeures du monde masculin, l'éducation des jeunes gens dans l'espace du dehors, de la nature, et les banquets des adultes dans l'espace du dedans des villes. Dans l'intervalle, trois femmes viennent représenter la sphère féminine. Hestia, la déesse du foyer, représente le domaine le plus intime de la maison, celui de l'épouse. Déméter assure la protection des champs, des espaces fertiles cultivés aux alentours de la ville de la Cora. Dans le même temps, elle figure aussi la fécondité des femmes adultes. Enfin, Cariclo, l'épouse de Chiron, incarne les lointains de la nature sauvage où l'on envoyait les jeunes filles, et pas seulement les éphèbes, pour que, au moment de la puberté, elle accède, à travers le culte d'Artemis, au statut de fiancée potentielle. Dans le monde des femmes aussi, on observe une correspondance précise entre les âges de la vie et les espaces d'existence que sont le dehors et le dedans. En queue de cortège arrivent les grands dieux sur de grands quadriges solennels en ordre hiérarchique. D'abord Zeus et Héra, les souverains de l'Olympe, Héphaïstos et Okeanos à la toute fin, eux qui sont venus des confins du monde. L'ensemble de la composition représente de façon extrêmement élaborée l'ordre qui régit la vie de la polis et de tout le cosmos. On arrive là à un niveau de complexité du discours par image qui atteint des sommets et est sans doute ce que l'on pouvait imaginer de plus extrême dans le cadre des banquets. Or, toutes ces images nous offrent également un éventail très large en matière de psychologie sociale. Les représentations ayant trait à la guerre, grand domaine idéologique des élites sociales, sont à cet égard très instructives. Les décors du peintre de vase Exéchias sont exceptionnels par leur intensité psychologique. Sur une amphore célèbre, il met en scène simultanément les deux grands guerriers grecs de la guerre de Troie en une circonstance qui apparemment n'a pas grand-chose à voir avec l'ardeur au combat et l'héroïsme. Achille, le premier héros des Grecs, et Ajax, le second. Tous deux ont déposé leurs boucliers et sont assis, penchés en avant, absorbés par un jeu de dés. L'épisode ne renvoie à aucun récit connu de la guerre de Troie, mais on y perçoit une tension extrême. En jouant au dé, on mettait en jeu le destin, le rang social et la renommée. C'est bien là l'enjeu central de cette image.
On cherche à savoir lequel des dieux est le plus grand. Au premier coup d'œil, on comprend que c'est Achille qui gagne. Il est installé plus haut et de son casque qu'il porte sur la tête domine son adversaire dont le casque se détourne comme s'il anticipait la défaite de son propriétaire. La victoire d'Achille est par ailleurs clairement figurée par le chiffre que chacun d'eux a tiré et qui est inscrit devant leur bouche, un 4 pour Achille et un 3 pour Ajax. Les Grecs qui regardaient le vase savaient pertinemment que Achille trouverait bientôt la mort avec les plus grands honneurs, qu'Ajax, en revanche, en proie à l'aveuglement et à la honte, finirait par mettre fin à ses jours. Mais les chiffres du jeu viennent ici abolir l'antithèse claire entre gloire et honte. Les chiffres sur les dés vont de 1 à 6. Et pourtant, le vainqueur tire un 4 et le perdant un 3. Ce qui signifie que même le plus grand des héros est bien loin de la perfection et que celui qui a perdu n'est pas loin derrière lui. Succès et chute, gloire et honte sont tout proches et la mort attend chacun de nous. L'univers iconique de l'époque archaïque, les vases des banquets, les statues et reliefs des tombeaux, et même les images votives des sanctuaires, est tout entier empreint d'une profonde ambivalence. Tout l'éclat, toute la splendeur de cette culture de la vie se déploie dans la conscience de la finitude et de la menace perpétuelle que constituent le malheur et la mort. Jakob Burckhardt et Friedrich Nietzsche ont analysé de façon pénétrante le profond pessimisme des Grecs à cette époque où leur culture était à son apogée. Mais la réciproque est vraie également. C'est justement à cette conscience de la finitude que cette société a puisé l'énergie vitale qui lui a permis de développer cette culture de la vie. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut dire des personnes qui ont créé cette culture des images? Cela veut dire sur le statut de l'artiste dans la société. Les hommes qui réalisèrent les trépieds, les vases d'argile peints et les statues de grand format apportaient aux communautés des cités archaïques des éléments déterminants pour la vie sociale. Pour comprendre le sens que revêtait l'art et le statut de l'artiste, à cette époque, il faut avoir à l'esprit ce qu'était le cadre socio-historique. Si l'on cherche à appréhender de façon satisfaisante ce que les artistes accomplissaient alors, le terme démiurgos est éclairant. Le démiurge est celui qui travaille pour le démos, pour la communauté. Une telle catégorie renvoie à une société dans laquelle les familles vivaient très largement en autarcie, subvenant elles-mêmes à leurs besoins vitaux, ne recourant qu'en de rares occasions spécifiques au service des spécialistes, qui travaillaient alors librement pour des commanditaires successifs. De façon significative, cette fonction, consistant à créer pour la communauté, n'était pas attribuée aux seuls producteurs d'images, mais aussi aux constructeurs de bateaux, aux forgerons qui fabriquaient les armes, et même aux médecins, chanteurs et héros. Il n'existait pas de statut spécifique de l'artiste ni de l'art. Pour comprendre ce qu'étaient les productions de ces artisans au service de la société, il faut se représenter ce que signifiait alors la possession d'objets de valeur. Dans les communautés des cités archaïques,
Le rang social était en grande partie fondé sur la possession d'agalmata prestigieuses, joyaux de l'art de vivre et du prestige. Il ne s'agissait pas, là, de simples richesses matérielles utilisées pour affirmer un pouvoir social, mais d'un capital symbolique dont l'efficacité devenait manifeste dans le cadre social. À travers la pratique du don mutuel, en grec timé, entre représentants des catégories dominantes à titre de témoignage d'honneurs sociaux, les biens revêtent une signification dynamique. On retrouve une pratique analogue dans le cas des interactions entre les hommes, les dieux et les morts. Eux aussi reçoivent, à travers les offrandes votives, dans les sanctuaires et dans les dons dans les tombeaux, des présents de valeur qui témoignent de ceux qu'ils sont honorés au sein de la communauté conceptuelle. Tandis que les œuvres et leur place dans l'espace public évoluaient, la renommée des sculpteurs qui fabriquaient les statues allait croissant. On a retrouvé à Délos la base d'un grand kouros, œuvre d'Eucratides. Le sculpteur avait lui-même fait don de la sculpture et l'avait fièrement signée. Dans les angles, des têtes de lions, de taureaux et de gorgones assurent la protection de la statue. Jusque dans une offrande privée de ce type, le contre-monde que figure la nature est mis au service de l'homme et de la culture des hommes. Peu de temps après, à Athènes, les céramistes à succès se mirent eux aussi, après les sculpteurs, à déposer sur l'acropole des offrandes faites en leur propre nom, statues et reliefs étant l'indice de leur succès économique. De plus en plus, souvent, céramistes et peintres de vases signèrent aussi leur œuvre de leur nom, confirmant cette tendance. La célèbre inscription proclamant « Eutimides m'a peint comme jamais Euphronios ne pourrait le faire » atteste que le peintre avait une haute opinion de sa valeur et se situait dans le cadre d'une concurrence assumée. Contrairement, c'est la dernière, à ce que l'on a longtemps pensé, ces offrandes privées provenant d'artistes, qui ne sont pas rares, ne sont pas des indices de l'émancipation sociale des catégories laborieuses en tant que telles. Ces manifestations de fierté du travail artisanal viennent d'hommes qui ont contribué de façon spécifique à la culture de l'élite. On le voit d'ailleurs très bien sur les vases peints à l'époque. Pour la première fois, y figurent des scènes représentant l'artisanat. On y découvre la fabrication de vases destinés aux banquets des puissants, de sandales de luxe destinées à l'élite, de statues destinées aux offrandes votives des riches, de pièces d'armement de bronze forgées pour les guerriers les plus haut placés. Les éminents commanditaires, acheteurs et utilisateurs de ces œuvres représentent la clientèle huppée qui définit les standards en matière artisanale. Cette production destinée à la culture de l'élite repose sur la division et la spécialisation du travail. Des différences de prestige très marquées apparurent au sein des catégories laborieuses. Les artisans situés tout en haut de l'échelle, au premier rang desquels les sculpteurs, avaient désormais conscience de leur valeur et purent s'imposer dans le cadre des pratiques sociales aux côtés des représentants des catégories supérieures de la société. C'est dans le cadre de cette culture élitiste de l'image, propre à l'époque archaïque, que les producteurs d'images conquirent leur place dans la société. Je vous remercie de votre attention.